Je voudrais vous remercier tous, puisque quand nous avons créé le mouvement sur Auxerre, donc à l'image des autres qui se sont faits partout en France, on n'aurait jamais cru qu'il y aurait eu autant de monde. Et ça montre à quel point nous sommes déterminés et que nous ne lâcherons rien. Alors un grand merci à vous. C'est vraiment très important que vous soyez aussi nombreux, puisque comme vous le savez, dans même pas deux jours, à partir de lundi, notre vie a changé. On sera considérés apparemment comme des parias, puisque la plupart des lieux publics, comme les bars, les restaurants, les commerces, on ne pourra plus y aller puisque on nous demandera un pass sanitaire, et pour ceux qui ne pourront pas le présenter, on nous refusera l'accès à ces lieux. Et donc nous serons mis de côté, et ça c'est très grave. C'est très grave dans notre société, dans une société qui a été bâtie sur des valeurs comme celle de la liberté, comme celle de l'égalité. Aujourd'hui, on veut diviser les Français sous prétexte que certains ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est un problème. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, sont en colère, sont frustrés, sont dégoûtés des mesures qui ont été prises et de l'application du pass qui sera effective dès ce lundi. En revanche, ça ne justifie en aucun cas des comportements extrémistes qui amèneront à la casse ou à la violence.
Sachez qu'il n'attend que ça pour discréditer le mouvement. Alors ne vous laissez pas emporter par ces appels à la haine et à la violence. Il faut rester soudés, c'est important. Nous devons envoyer un message de solidarité et d'unité. Déjà dans un premier temps, puisqu'ils n'attendent que ça pour nous discréditer. Et aussi, puisque comme vous le voyez, ce mouvement-là est très différent dans l'histoire de ceux qu'on a pu connaître, notamment en France. Aujourd'hui, nous avons des familles qui viennent avec leurs enfants. Nous avons des personnes âgées. Et il est de la responsabilité de chacun de faire attention aux autres. Donc je compte sur vous. C'est très important. Merci. Quelqu'un. Oh!
N'hésitez pas à monter afin de faire de la place. Ta gauche, sinon droite. Bah, ma gauche. J'ai mis un petit temps de réflexion quand même. Je fais partie des trois déclarants de cette manif et je vous remercie. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Là, ça va mieux? Bon, donc moi je suis dentiste en libéral à Auxerre. J'ai reçu le communiqué de l'ARS hier. Donc nous sommes déjà menacés de sanctions sévères par l'ARS. Et donc, de fin d'exercice si je ne me fais pas vacciner. Donc tout le monde sait à quel point il est déjà très difficile de trouver un dentiste dans la région, vous tous, vous le savez, dentiste ou autre du corps médical. C'est très compliqué. Donc ce désert médical ne va faire que s'accentuer et devenir plus critique qu'il ne l'était déjà. C'est la réalité actuelle. Scandale.
Donc il faut savoir qu'actuellement, il est totalement illégal qu'un dentiste en cabinet de ville vous demande le pass sanitaire. En revanche, dans un hôpital, pour se faire soigner, les dentistes le demanderont. Donc chaque samedi, nous sommes de plus en plus nombreux, des centaines et des centaines de milliers de citoyens, à faire battre le cœur de la France, à clamer nos droits, nos droits à la liberté d'accès aux établissements de soins, aux facultés, aux lieux de loisirs, aux lieux de travail, etc. Notre cher pays des droits de l'homme, avec emblème liberté, égalité, fraternité, est victime de décisions outrageuses, antidémocratiques et liberticides de la part de ses dirigeants qui restent sourds à un peuple qui se soulève massivement contre ces lois plus abjectes que jamais. Constitutionnel manque d'humanité en validant le pass de la honte et la vaccination obligatoire pour les soignants. La pression augmente de jour en jour, les sanctions tombent sur ceux qui résistent et refusent toujours d'être les cobayes d'un vaccin toujours en phase expérimentale. Nos droits et nos libertés étant bafoués, il est de notre devoir de citoyens et même d'êtres humains de se soulever de manière aussi colossale que l'ignominie de leurs lois. Lors du vote de cette voie scélérate rendant la vaccination obligatoire, nous avons été trompés une première fois par les députés du fait de leur absentéisme record dans l'hémicycle. Par leur manque d'abnégation à vouloir défendre le peuple français, le tout sur fond de précipitation, sans aucun débat préalable et dans une incohérence totale. Puis nous avons été dupés une seconde fois par les sénateurs qui regrettent aujourd'hui de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour étudier les enjeux. Qui touchent aux libertés fondamentales. Quelques jours après, on a appris par les médias que 382 maires de France, de tous bords politiques, dont un de Côte d'Or et 14 de Lyon, avaient signé une tribune en soutien à M. Macron pour le pass sanitaire. Alors, fut-il louable et sincère, cet espoir que chacun nourrissait dans l'attente, exposé à la fois à l'incertitude et en même temps suspendu à la décision que rendrait le Conseil constitutionnel. Quelle ne fut pas ma déception pour ma part, mais aussi la vôtre, j'imagine. En ce jeudi 5 août, quand nous avons appris la nouvelle, se sentant à la fois abandonnés et trahis par les instances de l'État, ces hommes et ces femmes que nous avons élus pour la plupart ont oublié le sens de leurs devoirs. Ce n'est pas un pass sanitaire, c'est un pass suicidaire, contraire à l'éthique, à la Constitution, au Code de santé publique et civile. C'est un génocide organisé et prémédité. C'est un crime qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Madame Henrion-Caude, généticienne à l'INSERM, a lancé un vibrant appel sur les réseaux sociaux la semaine passée, alertant sur les dangers de vacciner les jeunes sans diagnostic médical préalable. Elle pose clairement la question aux autorités sanitaires
sur les incidences du vaccin pour ces futurs hommes et femmes. Elle craint la stérilité. Elle évoque aussi la protéine Spike, qui serait responsable de multiples maladies et troubles cardiaques, comme la péricardite, la myocardite, les thromboses, embolie, arthrite, douleurs articulaires. Elle appelle solennellement toute personne vaccinée atteinte d'un trouble grave ou sa famille à porter plainte. En effet, trop peu de personnes font remonter les effets indésirables du vaccin, ce qui fausse les données de l'instance de pharmacovigilance qui reconnaît que les vaccins à ARN et ADN engendrent beaucoup de mortalité. Une étude réalisée aux États-Unis sur 30 ans de vaccination démontre que les vaccins contre la COVID-19 tuent 5 fois plus que les autres vaccins. Les scientifiques reconnaissent qu'une vaccination de masse n'a jamais été efficace. Cela s'est vérifié en Allemagne lors de l'épidémie de diphtérie en 1935. Les décès étaient plus importants après la vaccination. Ce fut le cas aussi à Manille lors de l'épidémie de variole. Le mutisme des autorités sanitaires devient troublant et les fausses annonces du gouvernement sont utilisées pour créer la peur parmi la population. Ne vous forcez pas à vous faire injecter un produit dont vous ne connaissez pas le contenu. C'est ça la liberté, c'est dire non et résister. Passer une information que j'ai lu de source sur une information qui est très importante. La polyclinique d'Auxerre, à partir de lundi, donc comme beaucoup d'autres polycliniques, va demander le pass sanitaire. Donc soit d'être vacciné, soit d'avoir un test PCR négatif ou d'avoir contracté le Covid récent. Il y aura un vigile à l'entrée de la polyclinique. Et l'accès à celle-ci nous sera refusé si vous n'avez pas un pass sanitaire valide. Ça peut peut-être être un peu compliqué.
est déjà en train de s'organiser depuis plusieurs mois pour pouvoir vous soigner, même en extérieur. On va se débrouiller. Expliquez-moi aussi pourquoi les effets secondaires du vaccin sur les troubles menstruels des femmes, et en particulier des jeunes femmes, ne sont pas écoutés sérieusement, malgré l'alerte de l'ANS. Expliquez-moi aussi pourquoi au Royaume-Uni, le comité mixte sur la vaccination et l'immunisation évalue que la balance bénéfice-risque pour les enfants est en défaveur du vaccin, et ils arrêtent la vaccination. Pourquoi applique-t-il un principe de précaution, notamment à cause des risques d'inflammation cardiaque ? Pourquoi, du coup, devons-nous nous précipiter pour nos enfants ici en France ? Amis et amis vaccinés, comme vous, j'ai peur, mais moi, j'ai peur du vaccin. Et comme vous, je veux protéger mes enfants. Mes choix sont juste différents. Le fond est le même. Pour l'instant, au vu des données qui ne me rassurent pas, je fais ce choix en conscience de ne pas vacciner, ni moi, ni mes enfants. Daniel, c'est vraiment...
passé, mais il est déjà. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à ceux aussi qui ne sont pas venus. Ouais, je ne suis pas là et on n'est pas là, je le rappelle, pour se monter les uns contre les autres. Moi, je ne vais pas faire un discours contre ceux qui veulent se vacciner ou ceux qui ne veulent pas se vacciner. Je veux juste vous dire aujourd'hui que je suis un type malheureux. Malheureux de voir ce qu'on est en train de faire avec notre pays. Malheureux de voir que dans le pays des droits de l'homme, dans le pays où on avait la meilleure sécurité sociale au monde, certaines personnes ne pourront plus aller se faire soigner, ne pourront plus aller à l'hôpital, que quelque part pour respirer, pour vivre, on va vous demander de montrer un papier. Mais en plus, si j'ai pas de téléphone, je fais comment? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un ministre a parlé d'évincer un enfant de l'école. Je pèse le mot évincer. Vous avez un gosse de 10 ans, un gosse de 12 ans, qu'on montre du doigt, qu'on lui dit, toi, tu es pas comme les autres, va-t'en. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où aujourd'hui, à partir de lundi, on ne pourra plus aller voir certains anciens dans les EHPAD? Il y a des anciens qui vont mourir tout seuls. Qu'on nous interdira d'aller voir. C'est quoi ce pays? C'est quoi ces gens qui nous gouvernent sans se rendre compte de ce qu'ils font? De qui ils parlent? À qui ils parlent? Qui nous disent que nous sommes que des ignares? Que nous sommes que des sans-dents, que des imbéciles, des gueux. On me dit à moi que tout va bien. On me dit à moi qu'on n'a pas à se plaindre. Il n'y a jamais eu autant de gens qui dormaient dans leur voiture. Il n'y a jamais eu autant de gens qui vont au Resto du Cœur pour simplement manger. C'est quoi ce pays? C'est pas le pays que je veux. C'est pas le pays dont on a besoin. Et je suis fier, et nous sommes fiers, d'être là aujourd'hui à Auxerre, et aussi à travers toute la France. Ils ne peuvent pas gagner. Les gens de la DGSI que j'ai vus, qui sont là, qui prennent des notes, il y en a 3 ou 4 aujourd'hui. Notez bien, rapportez à vos chefs, nous sommes nombreux. Nous sommes déterminés, nous ne voulons pas céder, parce que le combat que nous menons est juste. Le combat que nous menons, c'est pas forcément pour nous. Moi j'arrive à un âge, 67 ans, ma vie est derrière moi, je le fais pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je n'ai pas envie qu'ils vivent dans une société qu'on a montré du doigt ailleurs.
en disant ces pays-là sont des pays totalitaires. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? Nous sommes en train de devenir une dictature. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et le pass sanitaire y participe. Alors aujourd'hui, vacciner, pas vacciner, c'est pas grave. Ce que je veux pas, c'est d'avoir un Ausweis pour pouvoir circuler. Je pèse mes mots. Un Ausweis. Si on n'a pas ce pass sanitaire, on ne pourra plus respirer, on ne pourra plus circuler. Et ça, c'est inadmissible. Deux sociétés. Les bons, ceux qui se sont fait vacciner, et les méchants, ceux qui refusent de se faire vacciner. C'est inadmissible. Parce que je vais vous dire un truc vachement simple. Il y a des gens qui vont peut-être hurler. Mais s'ils avaient un peu de couilles dans ce gouvernement, s'ils faisaient comme ils ont fait pour les 11 vaccins pour vos enfants, rappelez-vous, pourquoi ils ne font pas un vaccin obligatoire? Puisqu'il n'y a pas de risque, puisque tout va bien, puisqu'il n'y a aucun problème. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que s'ils font un vaccin obligatoire, ils seront responsables des effets secondaires. Et ça, ils veulent pas. Parce que s'ils font un vaccin obligatoire, le moindre problème, on pourra leur reprocher. Là, non. Là, c'est pas obligatoire. T'as le droit de crever, mais c'est pas obligatoire. Et ils seront pas responsables. Mais c'est quoi ces gens qui nous gouvernent? Rappelez-vous-en en 2022. Rappelez-vous-en, parce que je vais vous dire, il y a un truc aussi qui m'énerve. La démocratie ne s'use que quand on s'en sert pas. Et aujourd'hui, la démocratie, on s'en sert plus. 80% d'abstention. Allez voter, mettez un bulletin blanc. Virez-moi ces cons quand il y aura une tonne de bulletins blancs dans l'urne. Ils seront obligés de changer la loi. Merci. Merci infiniment, Philippe. Je pense que je vais lui laisser le mot de la fin parce que je ne saurais pas faire mieux. Son discours était parfait. Je ne dirais qu'une chose. La quatrième vague, c'est nous! À samedi prochain, 14h, place de l'Arquebuse pour la résistance.